Elle s'appelle Nadia. Elle a 17 ans et elle aime le couscous. Bon, tu vois, là, c'est la cité, mais bon, là, c'est le soir, donc je vais rentrer chez moi, quoi. Nadia, tout rentre à la maison, le couscous, il est prêt. J'arrive! Et tous les soirs, quand elle rentre de la cité, c'est le même rituel. Ce que je te disais, tu vois, j'aime les trucs genre en plus underground, genre dans les caves et tout, genre dans les hangars et tout. Ouais, attends deux secondes. Wesh, mais t'es qui toi? T'es qui pour venir squatter devant ma maison? Mais vas-y, mais dégage quoi. Attends, pour qui tu te prends là? Retourne dans ton pays, va. Mais vas-y, mais t'es qui toi? Espèce de raciste, d'où tu m'insultes, va. Déjà, je veux dire un truc là, sérieusement. Toi, tu ne m'appelles pas Nadia, jamais. Tu m'appelles James de 57. Parce que Nadia, ça fait trop naze quoi, c'est pas du tout ma personnalité. Parce que James, c'est mon idéal, ok? Ok, bâtard. Bon, alors tu vois, moi quand je rentre, de toute façon, j'ai qu'une chose à faire, c'est aller voir les chanteurs sur internet. Parce que bon, alors moi j'aime bien. 50 Cent, Snoop Dogg, là, et surtout James, parce que de toute façon, James, c'est mon idole, et puis de toute manière, plus tard, je serai une grande chanteuse, une grande rappeuse, donc faut bien que je m'inspire d'elle, quoi, de toute façon, je serai la plus grande de toutes les rappeuses de l'univers, de toute façon. Bon, alors, tu vois, bâtard, moi, le cinéma, déjà, moi, j'adore bien voir des bons films, mais vraiment des bons, parce que les films trop pas bons, c'est même pas la peine, quoi. Alors moi déjà, mon film numéro 1, c'est Réussir ou mourir avec 50 Cent. Ça, c'est vraiment le film numéro 1. Mais vraiment, c'est vraiment ta bombe, ta balle, j'adore. Sinon, j'aime bien 8000 avec Eminem. C'est vraiment, tu te clades tout le long, tu danses même au cinéma, c'est trop bien. Et aussi, j'aime bien Honey avec Jessica Alba, je suis trop fan parce que moi, de toute façon... je serai une pure danseuse, je serai la plus belle danseuse de tous les temps, quoi. Je serai vraiment magique. Nadia, on peut manger des couscous. Ouais, papa, quoi? Ferme ta gueule, là! Putain, il y a la télé, là! Vas-y, casse-toi! Alors là, tu vois, j'ai sur MSN, chatter avec mes potes, parce que là, de toute façon, on est trop gavés. Trop besoin de parler avec quelqu'un d'autre. En plus, elle sort, on peut même plus sortir là. La cité, c'est trop devenu la zone quoi. Il y a la police partout. En plus, avec Sarko là. Vas-y, il me gaffe trop lui aussi. Nique la police, nique Sarko, nique ta mère. Putain. Ouais, voilà, tu vois, je parlais avec un mec, putain, il est trop trop beau ce mec-là. De toute façon, je vais le faire, ça c'est obligé. Parce que de toute façon, il me demande si je suis bonne, et évidemment, je lui dis que je suis bonne, parce que de toute façon, c'est la stricte vérité, je suis désolée. Je suis la plus bonne de la cité, là. Attends, on peut rivaliser avec ça. De toute façon, demain, on va à un encart, là, dans la cave. Hein. Alors, s'il faut qu'il ramène ses potes, ce sera encore doublement, encore plus intense, quoi. Voilà, quoi. Wow, vas-y mon frère! So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the ouais! Pfff, de toute façon, on va me casser. Nadia, j'espère quoi? Que putain, vas-y, il me saoule. Il me saoule! Putain, il me casse les couilles avec le bac là, il faut réviser. Putain. De toute façon, moi, le bac, j'en ai rien à foutre, le lycée, j'en ai rien à foutre. De toute façon, hein, moi j'ai 18 ans, je me cache, je vais à Hollywood. De toute façon, moi je vais être une grande actrice, de toute façon la meilleure de tous les temps.
Attends, c'est bon quoi, de toute façon il me casse tous ces couilles là au lycée là, bande de sataniques de merde. En plus les profs c'est long, c'est même pas la peine. En plus ils sont tous racistes quoi, surtout ma prof sort géo, c'est bon là. Bon bah là je crois que je vais sortir, mon père m'a trop gavé là, c'est bon, casse les couilles là. Ouais là il fait encore jour, ouais ça va être bon là, ça va. On va pouvoir aller mater les gars là, qui sont en terrain de fou. Oh putain ouais, je vais aller à Fatima, je vais l'appeler à deux secondes. Puis dans le répertoire. Alors. Fatima. Et... Ouais Fatima. Ouais tu fais quoi là? Ouais parce que là on irait bien te mal les quemer là. Ouais. Ouais bah dans 20 minutes dans le stade de foot là. Ouais ok. Ok, à tout de suite. Ouais, vas-y, c'est bon. Bon, bah, j'y vais, là. Je vais aller mater, là, parce que là, ça me soulagera, je crois. Oh, putain, Pokémon Go, là, encore. Hein. Je se casse les couilles, là, il veut pas que je fume. Pourtant, tu vois, la clope, ça donne un style, tu vois. Je sais pas, ça te déstresse en plus. Puis en plus, on peut frimer devant les mecs. Comme ça, tu peux les pécho dans la vas-y, quoi. Non, putain, en plus, tu me saoules avec ta caméra. Mais coupe-la, mais coupe-la. Putain, vas-y, me filme pas, là. J'ai envie de me casser les couilles, là. Me casser, putain. Me casser les couilles, là. Avec le bac de merde. Je vais me casser jamais en cours, de toute façon. Casser les couilles. Sale satanique, sale nazi, putain, salope. Putain, c'est quoi la connasse? Connasse. Putain, ça, tu vois, j'ai horreur de ça, quoi. Les nazis de merde qui viennent squatter, là, c'est bon, là. Déjà qu'ils nous prennent tous nos quartiers, c'est pas pour qu'ils viennent nous parquer la cité, là. Vas-y, là, vas-y, qu'elle dégage, cette bande de pétasse. Et oui, vous l'aurez compris, Nadia est une wesh.